Bonjour à tous, ici Sprelex et bienvenue dans ce quatrième épisode de Let's Play sur Maquette. On y va pour la cale, le chapitre 4, il me semble. Ok. Bon, on nous a montré château en premier. Il y a une serrure. Il n'y a rien de plus, j'ai l'impression. Il a l'air en mauvais état, hein? C'est même pas un château, en fait, c'est une église, une cathédrale. C'est plutôt ça, oui. Ok, donc, on vient ici. Ah, donc ce serait peut-être le mariage. C'est possible. Oula. Il y a quand même pas mal de lugubres là-dedans. Ok, bon. Où est-ce que je peux aller? Là, je peux pas assez fermer. Je ne peux pas assez fermer. Là, je peux y aller, mais j'ai pas l'impression. J'ai entendu un bruit. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose ici. Ah, c'est les portes qui s'ouvrent. On a avancé dans la bonne direction pendant 2 ans. Mais en y repensant, les premières fêlures se formaient déjà. Ah, c'est le début de la fin. Des petites excentricités, elles n'étaient plus si petites. Ah, je dois prendre le râteau. Dans les deux sens du terme, j'ai l'impression. C'est par ici. Là. Ok, tout va bien. Ce que j'avais trouvé mignon devenait agaçant et je savais que ce n'était pas parfait, que je n'étais pas parfaite non plus. Hello, Sunflower. Oh, good, you got beer. Thanks, hon. Yep, decided to live a little on a weeknight. How was school? Great. No, it was boring. Want to watch a movie tonight? Do you want to keep watching that that trashy show we were watching last week? What was it? Yeah, sounds good. Ok, donc la routine s'installe et chaque jour passant, ses fêlures grossissaient.
Alors, est-ce que ça va se poser, ça? Je peux plus aller. Donc, est-ce que ce serait si con que ça? Oui, 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 c'est con. C'est totalement débile. Alors, qu'est-ce que je dois faire de cet escalier? Est-ce qu'il y a une maison? Oui, ben là, en fait. C'est ça. Non. Pourtant, ça a l'air. Bon, ça a l'air. Et comment y arriver? Ben non, en fait, c'est même pas bon. Ici. Non plus. Je ne sais pas. Je vois pas où devrait se poser cet escalier. Le style, ce serait plutôt une de ces maisons. Encore faut-il arriver à ces maisons. D'accord. J'énerve. Là, ok, c'est pas un escalier, c'est plus une rampe. C'est plus une rampe, ok. Ah ouais, ça revient au même, que ce soit un escalier ou une rampe.
Ça va devoir se poser quelque part. Mais je peux plus retourner par là, donc ça sert à rien. J'essaye de voir, mais ce sera trop de toute façon. Alors, il est beau. Mais oui, il manque d'indices pour les trucs pas évidents, quoi. Et comme il y en a beaucoup, j'ai l'impression de pas évident. Ouais, c'est bien, mais ça ouvre pas la porte, quoi. Ben non, je peux plus, sinon j'aurais dit, je pouvais peut-être faire le tour, mais. Non, non. Interdit par la Convention de Genève. Il y a des portes qui sont ouvertes, il y a des portes qui sont fermées. Il y a de la lumière, mais. Allez. En gros, cet escalier, je sais pas quoi en foutre. Enfin, cette rampe. Bon. Échouons un peu. Laquelle? Ok, blablabla, bla, tout ça on a fait. Et retourner au cœur de la maquette. Placer l'escalier miniature contre le mur d'enceinte au niveau de la partie brisée. D'accord, bon. Il y a quelque chose que j'ai pas vu au niveau de la partie brisée. D'accord. Ok. Très bien. Très très bien. Nope. Vous ne pourrez rien, mais oui. Mes canettes de gazeuse abandonnées n'importe où. Je sais pas, je vois pas le là où est le texte, mais bon, c'est pas très grave, hein. Alors ici, maintenant je peux là. Voilà. Ah bah voilà. Pour mon genou qui me faisait mal et ce docteur que je refusais de consulter.
Mais on a encore vécu de bons moments, comme cette escapade aux cabanes de Saint-Marin qui nous a convaincus de nous installer ensemble. Oh, mais ça va en fait, il y a de l'eau dans le gaz, mais ils veulent quand même s'installer ensemble. Par contre, voilà le problème, hein. Il y a une belle métaphore, on devient tout petit par rapport au problème. Par rapport au très grand problème. Je suis même pas certain que c'est par ici qu'il faut aller, mais où est-ce qu'on veut aller? Bingo. Mais ces bons moments étaient de rares pics positifs sur une ligne globalement triste. Hello, Sunflower. Hey, I got wine, it's on the counter. Why did you just snap your computer closed? Because you just got home. Okay. But you just snapped it shut like a kid hiding something from his mom. I'm sorry, I'm trying to give you my full attention. I mean, whatever you're doing is fine, I just don't like how you hid it from me. I didn't hide anything from you. Whatever, it's fine. You made stir fry? Yeah. What are you watching? Just some trash. Ouais, il commence à aller voir sur internet. Ça sent pas bon. Il a fumé là-bas, d'accord. Voilà, au moins là c'est clair. Sans trop en dire. La fumée, c'est là-bas. Ça, et je viens me poser ici. Mais comment? C'est une échelle que je vois là. Un bouton 1. Ok. Ok. Il y aurait un trou quelque part. Je peux me profiler.
Y a pas l'air. Hop. Y a pas l'air. Ah, c'est fermé. Donc ici, hop, on remonte. Quand on a emménagé, on avait de grands espoirs, ça a aidé un certain temps. D'accord. Bah, je vais essayer là, hein, mais beaucoup trop bas. Ouais, beaucoup trop bas aussi. C'est là-dedans qu'il faut aller. Il y a de la fumée là. Dire qu'il y a quelque chose à pouvoir faire de ce côté-ci. Donc en fait, c'était pas si clair que ça, tout ce que j'avais dit. Donc, ça est dépendant un moment, oui. Bon, je sais pas pourquoi, c'est peut-être la chaleur qui me fait ça, mais j'ai aucune idée de comment. Bon, la version maquette, c'est. Là, il n'y a pas de. Il n'y a pas de passage comme ça. Il n'y a pas un mur qui serait cassé. Ici, il n'y a pas d'interrupteur. Il nous permettrait d'arriver par derrière. On peut pas passer par le mur. Ah, par la grille plutôt. Pas l'agrandir plus le bah si que je peux Voilà, comme ça là.
Je suis tout petit, assez petit pour rentrer dans la maquette. Enfin, dans la taille ici. Voilà. Et là, je peux ouvrir. Ici, je parie. Allons voir là derrière. Ok, ça voilà. En fait, il n'y a rien ici. Ah, le troll. Ah, le troll des enfers. Faut que je sois tout petit. Donc par là. Hop. Oui, mais je peux pas monter. Pénible. Hop, là je suis dans la bonne taille. Ah, pourtant, je suis sûr que c'est ce trou la suite. Encore faut-il que j'arrive à avoir l'escalier à la bonne taille. C'est fermé, c'est fermé. Là, je suis assez grand, mais pour rentrer dans la maison, mais pas pour rentrer dans le trou. Pas de porte à l'arrière. Donc, là, je pourrais monter en tant que tout petit, mais ici, je serais bloqué. Mais j'ai débloqué là-bas.
On va aller voir, on va descendre, on va essayer d'aller au maximum. Ah ben. Il y a un mot. Je ne l'avais point vu. Ce n'était pas la maison de nos rêves, et pourtant on était super excités à l'idée de franchir cette nouvelle étape ensemble. Si rien faire. Et ici, il n'y a rien à faire non plus. Donc, on va reprendre l'ascenseur. Voilà. Cet escalier. Le foutre ici, c'est quasi obligatoire. Sauf qu'il est trop bas. Et si je le prends? Pas le foutre trop grand. Je pense que j'ai compris. Voilà, comme ça ici, je me rends tout petit. Ici, je peux utiliser les rondins pour grimper, j'imagine. Comme ça, j'arrive là. Ok. Là, j'arrive là-dessus. Et là-dessus, j'arrive là-haut. Et je peux prendre le trou de souris. Parfait. You're home kind of late. I bought beer. I put dinner in the fridge. Oh, I Why didn't you text? Sorry, it was a last minute thing. And you didn't invite me? I went out with Angela. Oh. I'm just trying to repair my friendship with her. Okay. I mean, you still could have texted. You're right, I'm sorry. You want to watch something or? I'm just gonna use my laptop in the other room. Okay. Oups, attention. Ok, on a la clé, donc on peut aller vers la fin. Parfait. Pff.
Mais sans. On va s'agrandir un peu parce que là on est un peu trop petit. Donc ça c'est le début de la fin, la monotonie qui a fait que ils se cachent des trucs. Qu'ils font plus rien ensemble. Hop. Oh, la cloche. Une grosse cloche. C'était comme avoir suivi la carte et s'être perdu quand même. Alors on a juste continué en ayant trop peur d'avouer qu'on s'était trompé. De retour la chouette. Je peux réussir à grimper là-haut. Non, je peux réussir. Pourtant. Que j'ai encore besoin d'escalier par hasard. D'accord. C'était bien ça. Pas encore assez haut. Et comment je peux faire pour monter plus haut encore? On y est presque, hein, mais... Comme ça, alors. Bah oui. Voilà. Hey. Hey. You have mail here. Oh, did you hear from your mom yet? How was work? I was at school tonight. Did you hear from your mom? Yeah, how was school?
You totally don't care, do you? What? I care? Do you? Yeah, I asked you how work was. School. School. Okay, how was your day, Kenzie? I was asking how your day was. Does it matter if it's work or school? Apparently it doesn't. Oh, come on. Look, I'm sorry. I just... Sorry for not caring? No. Oh, no. My weeks are tough. I'm working and I'm going to school. And I'm not saying your job isn't burning you out, but when I come home from a long day, a very long day, I would really appreciate it if you could give me just the tiniest bit of your attention. Are we really going to start having this conversation again? Yes. Yes, we are going to start this conversation again. We're going to start this conversation over and over again for infinity until we figure out how to end the conversation without you tuning out. What is that supposed to mean? It means whenever I want to have a discussion about something serious, you end up just leaving the room, mentally or physically. You refuse to deal. I leave the room because when I tell you how I feel about something, you insist it's not how I really feel. What is the point in having a conversation if you're not going to believe what I say? You hide, Michael. You hide your feelings from me and even from yourself. Oh, and I'm the only one in this room that's guilty of that. Look, I know I'm not great with my feelings, but I try. You, on the other hand, you do anything you can to steer the conversation off of yourself and onto me. Oh, how so? How so? How so? I asked you 3 times how your day was today, and instead of reciprocating my effort... But you weren't listening! I was making an effort! I would much rather have a conversation about your day than be lectured about what days of the week you're at school. What? How do you actually think this is about school or work? It's not! You're saying I'm not listening and you're the one that's not listening. Ok, bon, et on va s'arrêter sur ces engueulades pour cet épisode. Ah, ça fait quelque chose parce que je... Ah. J'ai déjà vécu ça, quoi. Bref. Allez, sur ce, on s'arrête pour cet épisode, hein, pour YouTube, pour Twitch, on continue juste après. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, toujours avec le pouce en l'air, le commentaire, abonnez-vous pour ne pas rater la suite, et portez-vous bien. Allez, bye.